l'amitié. Voilà. Parce que j'écris souvent des femmes et des mecs environ de 30 ans qui prennent leur route dans la vie et je trouve juste comme important comme votre famille, c'est vos amis, vos copains qui comprennent les étages de la vie et on peut partager toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses. Donc oui, j'écris souvent de l'amitié et j'ai la chance d'avoir beaucoup de copains et copines qui toujours cherchent mes livres et dire « c'est moi ou pas ?» Si on veut écrire et on veut utiliser la personnalité de vos amis, toujours c'est simple, juste dire « il était très beau, elle était si si belle » et après ça on peut dire ce qu'on veut. Ok, mais aussi famille. Parce que je trouve, quand j'avais 25 ans, c'était juste moi et mes amis. Et mais maintenant, moi j'ai une famille où je pense aussi des femmes qui veulent peut-être d'avoir des enfants. Souvent, tout le monde me demande d'où sont les idées pour des livres. Et je dis, oh, alors c'est pas difficile de trouver des idées pour écrire un livre. Parce que si je veux du monde, dis-moi, de votre famille complètement folle. Immédiatement, on peut parler pour toute la journée parce que tout le monde a une famille et toutes les familles du monde sont folles. L'humour, pour les... je ne suis pas anglaise, je suis écossaise, mais pour les gens du Royaume-Uni, culturellement, l'humour, c'est très, très bien important à nous. En fait, j'ai trouvé quand j'habitais en France, j'ai fait toujours une blague et les autres mères à l'école, elles sont comme « Ah voilà, c'est le clown anglais, blablabla ». Donc pour moi, j'ai cherché à rire à toute la vie où c'est trop triste, la romance. Il n'y a que deux types d'histoires du monde, le crime où tout le monde est mort et la romance, tout le monde est en amour. Et mes romans sont les romances. Je pense que pas juste pour les femmes, pour les femmes, pour les mecs, pour tout le monde, cherche quelqu'un à adorer, c'est simple comme ça. Ça, c'est pas le seul point de la vie, mais c'est un point de la vie et que ça m'intéresse. Et je pense, oui, je pense que tout le monde cherche juste un personne. Je suis mariée, mais tous les ans, je peux écrire un nouveau mec très beau, très intéressant. Donc, ça, c'est ce que j'aime. Communauté. Moi, j'habite un petit village. J'étais née dans un petit village, pas le même village. Mais quand j'étais jeune, je pensais, oh mon Dieu, c'est si petit, tout le monde, connecte tout le monde, c'est impossible, on ne peut pas être privé. Et je suis allée à Londres, c'est énorme, c'est grand, c'est plein de gens. Mais maintenant, j'habite encore avec mes enfants dans un petit village et maintenant, j'adore que tout le monde me connaît, oh bonjour, blablabla. Et je le trouve, c'est sauf, c'est tranquille. C'est juste, c'est plein de sécurité et tranquillité pour moi, pour mes enfants, et je l'aime beaucoup. J'aime l'esprit de la communauté.